Bonjour, bienvenue sur Scorpion TV. On est un petit peu déçus parce que les Scorpions ont livré une belle rencontre, mais ça n'a pas suffi ce soir. Effectivement Richard, on ne va pas se le cacher une fois de plus, ce soir c'est la défaite. Malgré la bonne prestation de nos joueurs, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Le meilleur a gagné sur cette série. Ça reste du hockey, ça reste du sport. Le résumé du match. Tout de suite, les images. C'est maintenant. On est parti, ça y est, le match ultime. Ouais, le troisième match entre la Belle et Neuilly. Ils sont pas hors jeu. Grand Maison qui part en prison. Va inaugurer la prison pour Neuilly. Et c'est Yuri qui rentre à droite. Yuri pour Kajla pour Kapuscaï, il n'arrivera pas. Un petit peu trop croisé, c'est dommage, mais c'était bien vu comme combinaison. C'était, là, c'était bien vu, effectivement, entre Kapuscaï et Kajla. Alors on va mettre 25 secondes. Joffre, il a perdu Palem, mais il va tout de suite à l'attaque. Serdi qui a balancé directement son papa. Papa qui cherche Tenbrack. Tenbrack en paquet. Bien vu. Oh dommage. Oh là là, quel arrêt de Sebko. C'était balancé là, Tenbrack. Il a pris Serdi dans le dos. Hein. Ah, il faut les empêcher de tirer là. Grand Maison, le jeu en place. Le power play en place. Shoot. Et Mika qui bloque une à deux fois en deux temps. Hein. Ils sont installés ces joueurs. Derrière là-bas c'est dangereux. Là c'est Roy là-bas le Canadien avec Dubuc, Pelletier, Tremblay, il y a tout là. Ouais, il va passer à Dubuc, on va prendre le shoot. Ouais, Roy qui va shooter, dévié juste devant. Heureusement, ça part à côté. Ça reste dans les crosses des Nocéens. Là Geoffrey va faire l'effort, mais le palais toujours pour Roy. Dubuc qui appelle à la ligne bleue, Dubuc. 56 secondes encore. Le shoot dévié, ouais. Il part juste au-dessus. La déviation juste au-dessus. Hein. C'est bien, on se dégage 4 secondes. On va revenir à 5 contre 5 dans ce match. Oh là là, mais quelle erreur. Il a récupéré la pression, il est par terre, le lancer, avec son corps reformé la poche. Ah, c'est dommage qu'il était tout seul ce joueur-là. Oui, attention à Dubuc au centre. Roi, Dubuc, toujours les mêmes, de toute façon, on fait toujours les mêmes, Tremblay, et voilà, on fait le tour. De puissance, c'est une ligne canadienne. Hein. Ouais, une ligne québécoise même. Hein. Attention, c'est une ligne québécoise. Ouais. Ça parle français, Dubuc. Pour Roi, Roi le shoot, le palais flottant, la cage ouverte, le but. Le but, c'est Rio qui marque. Allez, coup de crosse qui part, avec coup de crosse qui part. Geoffre qui attaque la cage de Sebko, le palais est jouable. Il y a une pénalité. Le but, oui. Ce match numéro 3, le match de la peur. Regarde qui s'y est passé. Il est passé, il est passé, mais il va en prendre une s'il reste devant. Non, c'est bon. Il a réussi à bloquer derrière, par contre, oh là là là, il se fait balancer. Bon, c'est à la régulière, c'est vrai, mais. La cuisine qui lui met deux contrats. Attention de le contraindre parce qu'il n'y a plus personne derrière. Dubuc qui appelle de l'autre côté. Chaud sur la cage là. De Mika Müller, ouais. Il faut accélérer un peu, hein. Pour Yurik, c'est bien, bien vu. Yurik. Yurik le back-end, mais sauf qu'il va fermer la porte. Hein. Un peu. Ça reste dans la crosse de Yurik. Yurik. Kapuscha, que Petira qui appelle le palais. Petira, il aura la passe. Et vas-y. Pour que la joue. Super, super. Belle combinaison. Yurik pour Petira. Petira qui est avec Klejna. Et Klejna direct dans la cage, vu puisque le gardien était à l'opposé. Sebko qui est battu. Et Klejna qui exulte. On va partir de l'autre côté de la patinoire avec Martika qui envoie directement son col, le retour pour Kralic. Ah, Kralic. Il n'y a rien, ni monsieur l'arbitre, mais il a récupéré le palais. C'est Bini qui tire, il a fait le palais, il l'a eu Bini, mais il a tiré directement sur le défenseur. Tenbrack qui va pas pouvoir l'avoir, je pense pas. Si Tenbrack il a deux tours, mais on va relancer tout de suite les Scorpions au fond. Voilà, 3-43 à faire en ce premier tiers, toujours un partout. Et le niveau de jeu qui a pris le palais là, attention peut-être. J'avoue, super Joffre. César Jarvis crucifix. César Jarvis crucifix, Sebko à 3-30. Avec avec Bounic, masque gardien. Et il peut pas voir passer. Bien César, super. Joffre a trouvé la lucarne hier soir, il la retrouve ce soir. Allez, vas-y, Kapuscha, le grand point, Kapuscha est passé. Il y a Klejna, il y a Klejna. Ah, il y a Yurik, c'est bien, c'est bien raison. Ah, dommage. Oh, juste à côté. Il avait juste raison. À côté, ouais. Il a eu raison, il y a Kapuscha, il a raison, Yurik. Oui, monsieur l'arbitre a failli se mettre. Le but, voilà, le tac est fait, bien provoqué par cette fois-ci. Par Klejna. Il y a Klejna qui récupère. Et on le retient là. La cuisine qui veut partir, il a mis un charge en coup de cabane. Là maintenant, numéro 8. Monsieur l'arbitre, il faut sévir, il faudra sévir. Ce match va partir, c'est bon. Il y a une pénalité annoncée. Un tiers engagé, beaucoup de pénalités. Très engagé même. Bon, 2-1 pour Mulhouse. Si ça se tire comme ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais il faudra tenir les assauts de Neuilly. Pour l'instant, c'est assez houleux la fin du premier tiers. Il l'a dit, 2-1 pour Mulhouse. On va voir comment va se passer le second. A tout de suite. A tout de suite pour les images. Attention devant la cage. Avec ouais, justement parler de lui, il la récupère. Et il transverse directement sur Tenbrack, il adore Tenbrack. Accélère, Tenbrack, il n'arrive pas, il va faire le tour. Non. Si.
Ah, c'est pas mal. Il se fait brasser là, Brian. On va avoir du mal là par contre. Ah, écoute, Crozet, ah, c'est bien, c'est bien. Ce que font les Scorpions là, ils sont forts physiquement. Ils restent sur leurs appuis. Avec Kapiska qui appelle devant Krejcha. Krejcha, il aura pas. On cafouille, on cafouille. Non, toujours pas là. Allez, prenez le temps, prenez le temps. Vas-y, bouche. Allez, on bouche à côté. Oh, t'as une bouche qui tient à côté. Le 3 est au bout de la crosse de Martin. Ouais, c'est pas grave, ça va revenir, ça va revenir. Ils font du bon travail pour l'instant. Kapiska. Voilà, c'est Krejcha. Déjà, tu travailles avec le corps là derrière son Yurik, sur Kapiska. Ah Yurik, ok, arrête Sopko. Quel arrêt Sopko. C'est pas le Chagall qui sort. Non, c'est Grand Maison qui l'aura. Ouais. Ah, il passe devant, ah, Crio. Attention Tremblay, deuxième poteau. Joli retour, un bon retour. Directement sur Mika Müller qui bloque. On va devoir servir. L'attaque d'engagement, c'est gagné. Dubu qui a la bloquée en shoot bas. Derrière. Il y a beaucoup de trafic devant la cage de Mika Müller. Ah, le shoot. Dubu qui revient à deuxième. Et c'est contré. Ah, ouais, c'est contré, mais ça, c'est bon. Krejcha. Krejcha. Krejcha, que va-t-il faire? Ah, il cherchait Yurik. Il essaye deux fois, il peut-être. La récupère, la cage est ouverte. Non. Il n'y a rien dans l'enclave. Ah, dans l'enclave. Ouais, Sinkovic au milieu qui combine. Ouais, bien joué les Scorpions là. Aïe, attention. Sinkovic, attention. Il a accéléré. Au but. La montée. Il y a but. Eh oui. Et la montée qui égalise. Le palais qui traîne dans la zone. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, prends le shoot là. Kapiska, ah, qu'est-ce qu'il fait Kapiska là, Krejcha, il l'a pas vu. Martino Bouche qui tire. Contré. Cuisine qui renvoie. Et le coup dans l'autre sens. C'est attention, le bon. Et attention. Après tirer, il faut revenir là. Hors jeu. Hors jeu. Ouais, il a tiré, il n'a pas eu tiré là. Et... Il a raison Martino Bouche. Ah, c'est parti au douche là. Il a raison, Rebo a quand même tiré après le coup de sifflet. Ça ne se fait pas. Avec les Jacques Lassane qui passe par la danse Rayouric le premier dessus. Pour un moment au bouche, il a surgi de la glace. Il a pas se percuter. Attention, attention. Et Rebo lui la récupère par contre. Rebo pour Tremblay. Attention pour... Oh, Mika Müller qui fait, bien bloqué. Ouais, devant en grand maison. Ouais. Il a bien bloqué l'angle. Ouais, ça sort. Vinières toujours. Vinières sur un festival encore de patinage. Le gros freinage de Vinières. Il a pas le milieu, c'était bien vu, c'était petit rat. C'était bien vu, mais là. Attention Roland, attention Roland. Voilà, bien joué. Avec Ravi, j'ai lancé, bloqué par Sopko. Un deuxième tiers assez équilibré. Du 50-50 sur ce tiers, malgré l'égalisation de Neuilly. Hein. Neuilly qui a égalisé, qui a fait le boulot. Maintenant on va voir qu'est-ce que nous réserve le troisième tiers. A tout de suite. On est parti, Palais sur l'arrière. On va bien contre le Liniers. On va partir, il y a deux contre un, mais ça patine vite, on revient. Avec la montée directement sur cette coupe. Mian Yurik à l'engagement, c'est gagné. Parce que Krejcha qui l'a gratté derrière lui. Et Petira qui va mettre dans la bande, non. Il attend et trouve Krejcha au centre. Krejcha qui a poussé sur Yurik, c'est un petit peu fort. Hein. Un peu généreux Krejcha sur la passe. Là. Ah, Kapiska qui l'a récupéré, Kapiska. Ah, il n'arrive pas à dresser, il s'échappe. Yurik juste au-dessus. Ça touche la barre, je crois. Il y a Yurik, je ne sais pas. Ça relance. Kralic, je suis seul. Kralic, plein axe. Kralic, sinon il travaille. Kralic, il est passé. Le dribble. Oh, c'est juste. Oh, de la botte. Dégagement de la botte de Sopko. Ouais, au dernier moment. Qui n'arrive pas à prendre le rebond. Ouais. Mais attends, ça repart au sens. Pelletier de l'autre côté. Et Martin Luka qui va essayer de défendre cette action. Oui, c'est fait. Le palais qui ressort. Heureusement que les gens sont vigilants. Allez, il faut l'être parce qu'ils sont présents là. Vas-y, bien revenu dans ce match encore une fois. Et Mika qui bloque. Mika. Il a gagné, Joff. Allez, bim. Là, qui est tout de suite à la cage. Ah, et là, Sopko, la botte droite. La botte de Sopko. Il en renvoie quand même pas mal comme ça. Hein. C'est, bon, il pourrait mettre un petit joueur pour essayer de rebondir. Müller qui a deux temps, le palais est toujours jouable, attention. Le coup de crosse. Non. Il y a un coup de crosse au gars, Mika Müller. Il y a un coup de crosse. Non. Là, je suis désolé, il ne doit pas y avoir un but. Hein. Il y a un coup de crosse sur Mika Müller. L'arbitre ne dira rien, il accorde le but. Non, attends. Si, il accorde le but. Non, on attend. Mika Müller toujours par terre par contre. C'est pas relevé. Hein. Qu'est-ce qu'il va refuser? Je sais pas, il n'y a pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il va refuser? Non, on va faire changer. Oh, Ryu plein axe. Ryu, il arrive comme un avion. Prendre de vitesse. Comme un avion, Ryu. On le palais devant la cage. Bien, Mika Müller. Voilà, bonne charge derrière. Et voilà qui est fait. Attention au tir. Il est en supériorité. Le palais contré. On a eu chaud là. Lancé de Dubuc. C'est sifflé. C'est embrassé. Et ça brasse encore. Non, ça va, une ça va. Fois. Ça va. Les bisons en supériorité pour encore 40 secondes. Ouais, il faudra défendre la pénalité de Kapiska. Vas-y Brian. Ah, Tenbrak, avec Vinières au milieu. Peut-être. Tenbrak. Il cherche Vinières. Il est balancé. Il est balancé, monsieur Rousselin. Il est balancé, la charge en deux de Tenbrak. Il est servi. Non, il y a quelque chose à faire quand même. Hein. Vinières qui est plus le palais. Ah, il va faire simulation s'il continue. Pas encore. Il n'a pas sifflé, il n'a pas été bloqué entièrement par Jean-Denis.
On a mis du temps à sortir du côté des Scorpions. Vas-y, pas de carte. Oh dommage. Il était écrit qu'il n'y aurait pas de match facile ici à Lilleberg. Une fois de plus, on va directement en prolongation pour déterminer le vainqueur de ce match. On prend la même heure commence, il y a deux partout, comme hier soir. Et on aura le droit à une overtime à 3 contre 3 car un joueur est en prison de chaque côté. On se retrouve tout de suite pour la prolongation. Ah, c'est parti pour la prolongation. 10 minutes à 4 contre 4. Effectivement, l'arbitre a décidé de le faire à 4 contre 4. Ouais, on ne saura pas pourquoi. Ah, non, Kralik, attention. Avec Dubuc, justement, on en parle à l'instant. Dubuc cherché au milieu. Ah, bien joué. Bien joué avec Happy. Lance-toi. Et de l'autre côté, il y a un joueur. Voilà, c'est fait. C'est Kralik de côté. Et Kralik qui tire. Il est contré. Cerny qui l'a contré, ouais. Effectivement. Il faut l'aider, Kralik. Peut-être au centre, Lucas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Klejnak un peu de l'autre côté. Klejnak le contrôle. Klejnak qui fait le tour. Il arrive pas à Le but est annulé. Sur Rousselin, fait tout de suite les gestes. But est annulé. Refusé. Ouais, il a hésité. D'abord, il a fait le geste, je crois. D'abord, il est allé voir, mais le but est refusé. Et le palais sur Galkins. Galkins qui récupère la ligne bleue. Galkins sur l'eau. Le calme rouge. Que le calme Villers. Qui n'est qu'un personne. Je pensais qu'il avait réussi à décaler. Une minute encore en supériorité. Il reste 5-30 à faire dans une prolongation. Attention, c'est son comble ici à Lilleberg. C'est le moment. En bouche. À côté, avec dévié. Ils se défendent très très bien. Ils sont très très forts. Même à 3. En boxe play, même à 3. Effectivement, tu disais. Allez, Galkins. Villers. On essaie de trouver la faille. Aïe, ils ont décalé au maximum. Les passes sont pas super précises. Ça, c'est dommage. Le palais dans la cage. À côté. Juste au-dessus. Avait décidé que non. Bah, tu vas trembler. Attention, trembler. Bon retour. Il n'y a rien du tout. Ah, Müller, par contre. Non, mais là c'est pas bon parce que pour la séance de pénalty. Voilà, un échec à la poêle. C'est beau. Ouais, Joff. Villers, le contrat, faut jouer le coup. Vas-y. Faut jouer le coup, César Joff pour Villers. C'est l'heure de shooter. Ouais, il est contré. Ah, mais ils sont très extrêmement forts en défense, ces joueurs. Encore un tir, il va y avoir encore un tir pour Neuilly. 15 secondes, les secondes se défilent. C'est Klejnak qui ressort, Klejnak rapporteur. Là, y'a rien, monsieur l'arbitre. Non, rien, l'arbitre. C'est pas possible. 9 secondes, 8 secondes. 7 secondes, dernier tir. Ouais, il est désespéré, il est pité, Klejnak. Dernier tir. Attention, le palais devant Mika Müller. Une seconde, ça va sonner. Ce sera les pénaltys. On ira tirer au but. Et bien, tout comme hier soir, c'est en tir de fusillade qu'on va terminer cette partie et qu'on va clore ce troisième match. Ouais, effectivement, Richard, on a eu le droit hier soir à une superbe séance de tir au but. On verra ce qui s'en passera ce soir. C'est la loterie maintenant, c'est le joker, c'est le loto. Ça passe ou ça casse. On retrouve tout de suite. Allez, c'est parti dans cette série. Même tireur qu'hier. Raphaël Papa face à Sopko. Raphaël Papa Sopko. C'est Sopko qui gagne. Tremblay, lui, va essayer de marquer pour Neuilly. Tremblay face à Mika Müller. Tremblay a loupé hier soir et loupe ce soir. Roland Villers s'approche face à Ramon Sopko. Roland Villers. Et c'est stoppé ça, Sopko. Mika Müller, la montée face à Müller, la montée, loupé. Dernier tireur du côté de Mulhouse, Brian Ten Brack, comme hier soir. Brian Ten Brack, c'est pas le but. Ah, mais Ten Brack, il nous met le but. Ten Brack a marqué, Ryu face à Müller, s'il loupe, c'est fini, Ryu. Et c'est loupé, but, et il a marqué. Face à Mika Müller, grand maison et but. Ten Brack face à Sopko, le dernier peut-être de la saison. Fais-nous plaisir, Brian. Et but. Ten Brack. Ryu face à Müller. Toujours égalité dans la série. Ryu, but. Brian Ten Brack qui se présente. Ten Brack face à Sopko. Ten Brack s'est loupé, c'est fini. Cette fois-ci. Et Ryu, terminé. A battu Mika Müller et Neuilly c'est qualifié. Au penalty, le match est terminé, voilà, ça y est. Il faut laisser la main sportivement et leur souhaiter d'arriver au moins jusqu'au bout parce que si on tombe, on tombe au moins contre le vainqueur quoi. Ouais, c'est déjà. De la D1, c'est très bien. Voilà, fin de saison pour les Scorpions sur cette cruelle défaite au penalty. Neuilly qui a gagné ce match au tir au but, il y a eu deux partout hier soir, il y a eu deux partout ce soir, voilà, c'est terminé. Avec une belle saison malgré tout, avec belle chose ici à Lilleberg ce soir. Voilà, ça place ou pas la grimace, on va pas vous le cacher. Non, ça, on a un peu déçu. On a du mal à digérer. On va vous remercier pour cette saison malgré tout, de nous avoir suivis pour toutes les rencontres qu'on a pu vous faire vivre. Et on va vous donner peut-être rendez-vous l'année prochaine. Merci tout le monde et à bientôt. Merci et à bientôt.